D'être adoré, il n'y a point de Dieu comme toi. Le plus beau, c'est toi. Oui, ce soir, nous commençons différemment avec l'adoration de ce qui vient du fond de notre cœur pour élever Jésus, pour élever le roi, pour élever celui seul qui est digne. Oui, qui nous communique un baume de vie, un baume d'amour. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Tu es Rabassate. De tous les fils de l'homme, oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Alléluia. Et un baume d'amour, un baume.
pouvons élever le roi, celui qui communique un baume de vie, les paroles de grâce qui sortent de ses lèvres et qui communiquent la vie aux ossements desséchés. Oh, cette nuit, nous voulons encore élever Elélion. Cette nuit, nous voulons encore te dire, ce culte est pour toi. Ce culte est pour toi, Seigneur. Ce culte est rien que pour toi. Reçois les paroles de tes serviteurs. Reçois les paroles de tes enfants cette nuit. Où nous sommes en train de dire, sois béni, car il n'y a point de Dieu comme toi. Bien-aimé, là où tu élèves Jésus, élève Jésus, élève Jésus, et Jésus seul, car lui seul mérite d'être élevé. Le plus beau, le plus beau, le plus beau, Rabachate, Isabobasata, laisse que ton nom soit béni à jamais éternel, le Dieu capable qui donne un baume de vie, un baume d'amour, à qui réchauffe nos cœurs avec des paroles qui viennent fortifier notre foi. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Cette adoration, c'est pour le roi. Cette adoration, c'est pour le roi. Cette adoration, c'est pour le roi. Sois élevé à jamais. Sois adoré à jamais. Sois adoré à jamais. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore le faire avec tes acclamations? Tes acclamations. Ah, nous voulons entendre tes acclamations. Que tu puisses encore élever Jésus. Laisse que ton nom soit béni, alléluia. Oh, les saints te célèbrent. Les saints t'acclament, alléluia. Les saints poussent des cris de joie en l'honneur du roi de rois, en l'honneur du Seigneur de seigneurs. Il n'y a point de Dieu, alléluia. Bien-aimé, tu es en vie. C'est l'essentiel. La seule chose que Dieu t'a donnée qui est une garantie, c'est la vie. Et cette vie qui coule en qui? En Jésus. Cette vie qui coule, qui est attachée au cep et qui nous donne le baume de vie, qui nous donne la sève, qui coule dans nos enfants, qui coule dans nos entreprises, qui coule dans tout ce que nous sommes. Dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. Il s'appelle Jésus. Bien-aimé, regarde un peu en arrière, regarde un peu un bienfait de Dieu et commence à le louer. Commence à lui dire merci. Seigneur, merci parce que pendant maintenant là, les enfants vont commencer. Un parent est en train de dire, maintenant là, les enfants vont commencer l'école. Tu les as gardés, Seigneur, tout au long de ces vacances. Ta main a été sur eux. Laisse que ton nom soit béni. Je n'ai pas perdu les enfants. Bien-aimé, c'est une grâce. Même si cet enfant n'a pas fait des points que tu voulais, même si cet enfant dans notre cadre ici au Congo n'a pas réussi aux examens d'État, bien aimé, ce n'est pas l'échec de Dieu, ce n'est pas l'échec de Dieu. Bénis le Seigneur pour l'échec, bénis le Seigneur pour toutes choses. Bien aimé, élève ta voix et bénis Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as gardé, tu m'as donné la vie. Oui, éternel, j'ai emprunté plusieurs chemins, en voiture, en bus, en taxi, en bateau, en train, je ne sais, en avion. Mais tu as été avec moi, tu m'as protégé, tu as marché avec moi, éternel des armées. Je ne peux que te dire merci. Lorsque j'étais faible, tu as envoyé une parole qui est venue me fortifier. Tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais laissé par terre. Non. À chaque fois j'étais invoqué, éternel des armées, tu m'as envoyé un secours. Le vrai secours, c'est ta parole. Le vrai secours, c'est le Saint-Esprit qui vient me vivifier lorsque mon âme est abattue. Le Saint-Esprit qui vient me dire que tu es là. Le consolateur que tu as laissé. Bien aimé, je ne sais pas dans quel domaine tu veux élever Jésus. Tu veux voir les bienfaits. Ces bienfaits sont tellement innombrables. Nous sommes en train de lui dire merci. Nous sommes en train d'élever nos voix. Nous sommes en train de lui dire merci. Merci pour sa protection surtout. Oui, cette nuit nous prions pour la protection. 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 Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Dieu mon roi. Qu'est-ce que tu pouvais faire avec ces chaussures si tu étais mort?
Qu'est-ce que tu veux faire avec ces habits si tu étais morte? La vie, bien-aimée, vaut mieux que tout. Tu es allé dormir et dans ton sommeil, il t'a même parlé. Il t'a protégé. Ah, je m'endors et je me couche en paix, comme le psalmiste dit, car tu assures la sécurité dans ma demeure. Le Dieu qui assure la sécurité, le Dieu du psaume 91 a été avec nous. Le Dieu du psaume 23 nous a gardés. Oui, malgré l'ombre de la vallée de la mort, nous avons traversé avec lui. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître, voir les bienfaits de Dieu? Le bonheur et la grâce m'a accompagné. Le bonheur et la grâce continuent à m'accompagner. Le seul vrai Dieu qui ne m'a jamais laissé, Rabachata, qui ne m'a jamais abandonné. Le soutien parfait era. Oh, à chaque fois que je voulais abandonner, c'est comme un souffle nouveau que tu donnais au travers de ton esprit qui m'a vivifié. Je me suis levé dans la prière. Oh Seigneur, je vois tes bienfaits dans ma vie spirituelle. Je vois tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie physique. Combien tu m'es guéri de toutes sortes de maladies. Je vois tes bienfaits dans les enfants éternels qui sont en vie. Rabachata, les enfants que tu as guéris, laisse que ton nom soit béni. Ta protection était sur nous. Oh, le psalmiste dit, sans l'Éternel qui nous protégea, lorsque les hommes s'élevèrent, ils nous auraient tous engloutis. Oui, mais toi, tu étais avec nous. Qu'Israël le dise, qu'une famille le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, le seul vrai Dieu. Nous disons merci Seigneur, parce que, oui, la servante de Dieu avait raison de dire Bako Sala et Lokote, parce que ils ont tout fait, bien aimé. Il y a même des tentatives qu'ils ont essayé de faire pour te tuer. Mais Dieu, bien aimé, Dieu s'est levé. Dieu t'a donné la victoire dans le sommeil. Dieu t'a donné la victoire là où tu ne pensais même pas. Dieu s'est levé pour protéger ta famille. Dieu s'est levé pour protéger tes entreprises. Dieu s'est levé pour protéger tout ce qui est à toi. Dieu s'est levé, bien aimé. Bako Sala et Lokote, ils ne feront rien du tout. 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 Ils sont venus avec toutes sortes de stratégies. Toutes sortes de stratégies, bien-aimés. Mais il y a le stratège de stratège qu'on appelle Elle Lion. J'aime quand elle dit Bayakitang na fungola ki moi kukebukie. Ils sont venus, ils m'ont pris au dépourvu. La porte était un peu ouverte, mais j'aime mon Dieu. Il n'a pas permis la mort, il n'a pas permis la mort. Bien-aimé, élève Dieu. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un, la santé t'a tellement dérangé. Alors que je te parle maintenant, tu es encore sous cure. Mais je viens proclamer, déclarer que tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas. Cette maladie n'est pas pour t'amener à la mort. J'aimerais que tu puisses le déclarer. Bien-aimé, fais même un geste de foi. Lève-toi, toi qui n'arrivais pas à te lever. Bouge les mains, toi qui n'arrivais pas à bouger les mains. Bouge les pieds, bouge la tête. Mais fais quelque chose. Bayaki, et Bakoka Kiti, et Rabashata. Isabraya Kanabashati. Merci, Jésus. Kanabashati. Kanabashata. Bayaki Tango, Natika Kiaku. Nanga polele basala kinyoso popa kutisa pumui nanga na molili molimoa zongisi helikana motema. Yemboya sika mono kunanga molimo a zongisi elikana motema lo yemboya sika mono. Yeah!
Moshaya. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Alléluia. Bien aimé, commence à proclamer, je n'aurai pas peur, je n'ai pas peur. J'aime lorsque le psalmiste dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Quel homme est au-dessus de Dieu? Quelle autorité est au-dessus de Dieu? Oui, tu es de Dieu, tu appartiens à Dieu. Dis, je n'ai pas peur pour mes enfants, je n'ai pas peur pour mon mari, je n'ai pas peur pour mes enfants, je n'ai pas peur pour mes entreprises, je n'ai pas peur pour mes fiançailles, je n'ai pas peur pour mes études, je n'ai pas peur parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu m'accompagne, parce que Dieu ne va jamais me laisser. Oui, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Oui, cette nuit, la deuxième requête, bien aimé, tu es en train de déclarer que tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Qu'est-ce qui t'a fait peur le mois passé? Qu'est-ce qui t'a fait peur pendant le mois d'août? Commence à dire ce mois de septembre, je mettrai tellement ma confiance en Dieu que je n'aurai pas peur.
J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à El Shaddai, le Dieu puissant. J'appartiens au sein d'Israël. J'appartiens au puissant de Jacob. Bien-aimé, proclame, le déclare. Nous faisons mes déclarations ensemble. Oui, nous faisons mes déclarations ensemble. Déclarer, c'est posséder, bien-aimé. Déclarer, c'est vaincre. Oui, je peux même te dire, déclarer, c'est réussir. C'est réussir, proclamer sa réussite. Rabashata, Ikarabashane. Oh, oublie le tableau sombre. Oublie la peur. L'ennemi, lorsqu'il vient, la première chose, c'est la peur. La première chose, c'est la peur. Dis, Nakobang est l'autre côté. Il est avec moi. Nakobang est l'autre côté. Ezabraya Karabashate. Avec tes mots maintenant, avec cette mélodie, avec tes mots, commence à prier. Commence à déclarer. Bien-aimé, lève-toi. Sois fort, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Commence à prier. Si ça te trouve sur un lit d'hôpital, ce n'est pas grave. Tu as encore la bouche. Ouvre ta bouche et commence à parler. Si même sur le lit d'hôpital, tu ne sais même pas parler. Bien-aimé, bouge un peu la tête. Mais parle au fond de toi. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il a dit, lorsque tu seras en train de traverser la vallée de l'ombre, oh, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre. Dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'affronte. Je suis en train d'affronter septembre avec certitude. Je suis en train d'affronter septembre avec assurance. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi, car Dieu est mon soutien, car Dieu marche avec moi. Je n'ai pas peur, il est mon Dieu. Je n'ai pas peur, il est mon Dieu. Je n'ai pas peur, le Dieu qui marche avec moi, le Dieu qui conduit mes pas. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur parce qu'il est avec moi. Je n'ai pas peur parce qu'il est mon Dieu. Je n'ai pas peur parce qu'il est mon Dieu. Le Dieu qui soutient ma vie. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. 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 Que Rabashate. Oh, tu ne peux pas suivre mes déclarations la bouche fermée. Ah, tu dois ouvrir ta bouche et parler. La peur de ton voisin, ce n'est pas ta peur à toi. Ma peur, ce n'est pas ta peur à toi. Rabashata. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Reboshaye. Mande Reboshate Akarabashate. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Tes détenus sont cachés entre les mains de l'Éternel, qui a formé pour moi des projets de paix et non de malheur. Il est ma source, il est ma racine, il est ma racine. Korabashanta yakarabasete et yakarabo barabashanta yakarabasanda. Yonde pole nangai, oyonga na chela motema. Korabashanta. Oui, alors que le serviteur de Dieu va nous chanter ce chant, bien-aimé. J'aimerais vraiment que tu puisses le chanter d'une manière exceptionnelle cette nuit. Parce que c'est en même temps une prière, c'est en même temps une déclaration. Parce qu'effectivement, il est tout pour nous. Korabashanda rabaseke. Isabraya karabashete. Korabashanda rabibarabasikanda rabashete. Yonde pole nanga. Oyona chelaka motema. Yonde mwinda nangai, jela oyo nabilaka. Nakokende lisusu api, yonde maloba ya bomo. Itamboli nanga na se na tango yo, yekamba mina yo kolo. Yonde pole. Alléluia. Vibra bashata. Yonde pole nanga. Oyo na chelaka motema. Yaya. Yonde mwinda nanga. Jela oyo na bilaka ngai. Na kokende lisusu a pie. Yonde maloba ya bomo. Itamboli nanga na se na tango yo, yekamba mina yo nkolo. Yonde pole. Yaya Yesu. Yaya.
kambaka bomo inanga nyon sezali pona yo kolo yaya kambaka bomo inanga nyon sezali pona yo kolo nasengi kambaka eklesia nanga nyon sezali pona yo kolo yaya kambaka libota nanga Jésus Nyon sezali pona yo kolo na sengi kambaka ministere nanga Nyon sezali pona yo kolo na sengi kambaka mosala nanga Nyon sezali pona yo kolo na sengi Yesu kambaka bana nanga Nyon sezali pona yo kolo Yaya na sengi kambaka mosala nanga Nyon sezali pona yo kolo Mwinda na yo ekite langa Loboko na yo ekambanga Mwinda na yo ekite langa Loboko na yo ekambanga Yesu Yonde pole Yaya Yesu Yaya to sengi kambaka bomo inanga Nyon sezali pona yo kolo Yaya kambaka libota nanga Nyon sezali pona yo kolo Yaya kambaka eklesia nanga ye Nyon sezali pona yo kolo Yesu Bombaka nga na longa Natambolaka na sembo na yo Yaya Bombaka nga na lola Natambolaka na sembo na yo Mwinda na yo ekitela nga ye Loboko na yo ekambanga Kambanga yonde pole Si prova va shitela mosata La rabushika ya Ozali nyonso pona ngaye Ozali nyonso pona nga Amotema nanga tonda neshe Motema nanga batela kimya Yozali nyonso pona nga Yozali nyonso pona nga Yozali nyonso pona nga ye Yozali nyonso pona nga Amotema nanga mananese Motema nanga batela kimya Yozali nyonso pona nga ye Yozali nyonso pona nga Yozali nyonso pona nga ye Touche ton cœur bien aimé Yozali nyonso pona nga Motema nanga tonda nesengo Motema nanga batela kimya Yozali nyonso pona nga Yaya Yozali nyonso pona nga Simba Tu es tout pour moi, Jésus. Je n'ai que toi comme appui. Capable de me supporter dans mes faiblesses. Capable de me redresser lorsque j'essaye un peu de fuir le chemin. Capable de me corriger parfaitement, Seigneur.
capable de m'aimer. Rabasete, capable de m'aimer malgré mes fautes, malgré mes bévues, capable toujours pour moi. C'est pour cela que Pierre avait raison de dire, oh Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tokokende wapi. Tokokende wapi. Ah Rabashata. Oh, je ne sais pas pourquoi ce chant monte dans mon cœur. Nana kende wapi. Simanga. Allo boko harabashata koti kangaite kolo yesu shenarabasete ah yesu simanga nalo boko harabashata koti kangaite kolo yesu Cherebo sataya basete ha simanga ha na loboko Jésus kotika ngaite golo Yesu Yesu era bashate ah simanga ha na loboko Yesu Kotikangaite Jésus Kolo Yesus. Est-ce que tu peux chanter avec nous, bien-aimé? Dis ceci. Simbae Naloboko Jésus Kotikangaite Kolo Yesus. Nous chantons ensemble. Simanga naloboko Jésus kotika ngaite Jésus kolo Yesu narabo sapabachete. Rien que ce refrain. Simanga naloboko kotika ngaite kolo Yesu. Ah, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Simbae naloboko kotika ngaite kolo Yesu. À qui rions-nous? Bien-aimé, c'est Pierre qui prononce cette phrase. C'est l'épidémie particulière de la vie de Christ où beaucoup l'ont abandonné. Beaucoup l'ont laissé. Mais pour Christ, il n'est pas surpris. C'est nous qui lisons, nous disons, les gens l'ont abandonné. Il savait. Il le savait. Tout ce qui est écrit dans les évangiles était prédit. Pour Christ, ce n'est pas un hasard. Pour Christ, ce n'est pas une surprise. Parce qu'il sait qu'il est venu sur la terre pour sauver. Il y en a de ceux qui vont accepter, de ceux qui ne vont pas accepter. L'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est qu'il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Cette étape était prévue d'avance dans l'agenda de Dieu.
Bien-aimé, toi qui as abandonné aujourd'hui, c'était prévu dans l'agenda de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui t'ont abandonné. Tu te sens tellement seul, un peu rejeté. Bien-aimé, l'abandon était une rubrique dans le projet de Dieu pour toi. J'aime l'abandon. Bien-aimé, dans l'épisode précédent, c'est la déclaration de Christ. Il se présente comme le pain de vie. Tu peux lire tout Jean 6. Il est en train de se présenter comme le pain de vie. Et là, les Juifs disent, comment peut-il nous donner sa chair à manger? D'ailleurs, ils n'étaient toujours pas d'accord avec Christ sur tous les plans. Donc ça, ce n'est que venu encore, c'est-à-dire envenimer la situation. Comment il nous dit de manger sa chair? Je te parle de Jésus et je suis dans Jean 6. Et si vous lisez Jean 6, 55 à 57, la Bible dit, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et comme moi, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange, bien aimé, vivra par moi. On l'a traité de sorcier. On l'a traité de sorcier. La parole de Pierre arrive après deux abandons. Le premier abandon, bien aimé, vous pouvez le voir dans le verset 60. Pas seulement les Juifs, la Bible dit, plusieurs disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jean 6, le verset 60. Qui peut l'écouter? Jésus n'avait pas que 12 disciples, il y avait encore les 70 autres. Il y avait bien sûr aussi les autres qu'on n'a peut-être pas identifiés, mais qui étaient disciples. Mais les 70 autres étaient avec lui. Et parmi eux, il y a des gens qui ont dit, en tout cas, là, il est en train d'exagérer. Il est en train d'exagérer. Deuxième abandon, bien-aimé, vous allez voir qu'il dit, je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Le verset 66, la Bible dit, plusieurs disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils se sont retirés, ils ont dit non. Abandon sur abandon. Mais j'aime, les 12 sont restés auprès de lui. Les 12 sont restés. Et il tourne le regard vers eux, il leur dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez aussi partir? Qu'est-ce que vous attendez? C'est là que Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Donc, il dit, wapi. Nous n'avons pas là-haut aller. Bien-aimé, je prie que tu sois du nombre de 12, de ceux qui ne vont pas se retirer. Dis, je suis de ceux qui ne vont pas se retirer. Bien-aimé, proclame. Je suis de ceux qui ne vont pas se retirer. Je suis de ceux qui ne vont pas l'abandonner. Je déclare que je serai toujours celui qui ne va jamais quitter le Seigneur. Celui qui ne va jamais quitter le Seigneur. Proclame, bien-aimé, qu'il est le vent. Qui est le vent. Qui est la tempête. Qui est la tempête. Qui est les paroles dures. Qui est les paroles qui vont me faire mal. Qui vont me faire mal. Je n'abandonnerai jamais mon Dieu. Déclare, je n'abandonnerai jamais mon Dieu. Je n'abandonnerai jamais. Je ferai toujours partie. Je ferai toujours partie. Des 12. Des 12. Et même dans les 12. Et même dans les 12. Je ferai partie. Je ferai partie. Les trois, les intimes de Dieu, qui ne l'ont jamais lâché, comme Jean, qui était avec lui, jusqu'au mont de Golgotha, jusqu'à la mort, il est resté. Bien-aimé, proclame, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, accorde-moi la grâce. Commence à prier. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce de ne pas abandonner. Accorde-moi la grâce de rester fidèle. Accorde-moi la grâce de rester fidèle. Accorde-moi, bien-aimé, prie s'il te plaît. Accorde-moi la grâce de rester fidèle. Que je n'abandonne pas. Sans vie, je vais suivre Jésus. Sans travail, je vais suivre Jésus. Sans amis, je vais suivre Jésus. Sans mari, sans femme, sans rien au monde, je resterai avec mon Seigneur. Je resterai avec mon Dieu.
l'amour de Dieu. Je déclare que l'Esprit de Dieu, que je reste d'être de la grâce, attaché à Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de rester attaché à toi. Donne-moi la grâce, Jéhovah, de rester attaché à toi. De rester attaché, rester fidèle, rester attaché. Même en pleurant, je reste attaché. Même en pleurant, que je reste attaché. Même lorsque j'aurai mal, que je reste attaché. Attaché. Rabashata. Bien-aimé, j'aime Pierre qui prononce cette phrase ultime. Jean 6, verset 68. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Aujourd'hui, de cette phrase, bien-aimé, nous voulons sortir huit déclarations que nous allons déclarer pour ce mois de septembre. Quand j'ai voulu creuser le texte, le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi là. Ne parle pas, arrête-toi seulement là. À qui irions-nous? Toute la prière est là. Dis, Seigneur, malgré le vent, à qui, chez qui irai-je? Je vais aller où? Mais bien aimé, avant que nous puissions parler de ce oui déclaration, j'ai trois choses que j'aimerais que tu puisses savoir. Trois préalables que j'aimerais que tu puisses savoir. Note-les dans le... J'aime quand la Bible dit « sur la table de ton cœur ». Sur la table de ton cœur, note-les. Note ces trois choses. Parce qu'avant que Pierre ne parle à qui irions-nous, il dit « Seigneur ». Il appelle « Seigneur ». Tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un envers qui tu n'as pas une relation étroite. Tu n'as pas une relation avec lui. On fait confiance en quelqu'un qu'on connaît, on a une relation. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un à qui tu n'as pas un vécu. Vous n'avez pas vécu quelque chose. Je parle à celui qui a déjà marché avec Dieu pendant longtemps. Je parle même à celui qui a commencé seulement hier. Mais je parle surtout à celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième préalable que j'aimerais que tu saches, tu ne peux pas dépendre de quelqu'un en qui tu ne te soumets pas. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un en qui tu ne te soumets pas. Et bien dit, soumettez-vous à Dieu. C'est lorsque tu te soumets à Dieu que le diable fuira. C'est d'abord soumettez-vous à Dieu. Tu vas résister au diable, mais dis d'abord soumettez-vous à Dieu. Tu dois soumettre ta vie à Jésus. Je te parle de ces préalables pour te dire que c'est ici que tu commences déjà à ranger. S'il y a des choses que tu as fait et que le Saint-Esprit t'a dit que tu as mal fait, tu as des choses que tu veux réparer. Bien-aimé, alors que je parle, je te prie de les réparer. Parce que si tu ne les répares pas, ces huit déclarations ne vont pas te concerner. Ça n'aura pas d'impact sur ta vie. Nous parlons des enfants de Dieu. Nous parlons des fils et des filles de la promesse. Troisième chose que j'aimerais que tu saches, tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois l'aimer. Bien aimé. L'autre jour, je parlais, c'est vraiment un exemple que je te donne pour que tu comprennes très bien. Je parlais avec mon mari. Mais toi, tu n'écoutes pas. Toi, vraiment, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais ce n'est pas ta faute. Il me dit, ce n'est pas ta faute. Je dis, c'est quoi? C'est parce que je t'aime. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, même s'il fait des choses qui te font mal, ce n'est pas sa faute. C'est parce que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Même si tu me frappes, même si oui, d'ailleurs, tu as toujours raison. Même si tu me corriges à ta manière, Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, je t'aime. 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 Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu peux tout simplement prononcer cette phrase. Seigneur, je t'aime. Dis seulement, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Bien-aimé, ces trois préalables, j'aimerais, avant de continuer l'ancien appel, le Saint-Esprit me met à cœur de l'ancien appel du salut. Est-ce que tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu marches avec lui? Je ne parle pas des membres des églises. Je suis en train de parler à ceux qui un jour ont pris la décision de marcher avec le Seigneur. Si tu ne l'as pas fait, ferme tes yeux et prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Saint-Esprit, à dater d'aujourd'hui, guide mes pas. Je te reçois cette nuit comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci Seigneur.
Amen. Bien-aimé, tu l'as fait. Ah. Maintenant, là, serrons un peu nos ceintures. Assis-toi un peu bien parce que nous voulons décoller avec des fortes déclarations. Nous voulons faire des fortes déclarations pour ce mois de septembre. Oui, la première signification, la première déclaration que nous prenons dans où irions-nous, à qui irions-nous, on veut tout simplement dire comment pourrais-je te quitter? Je ne conçois pas ma vie sans toi. Bien-aimé, parle. Comment pourrais-je te quitter? Répète. Comment pourrais-je te quitter? Je ne conçois pas ma vie sans toi. Je ne conçois pas ma vie sans toi. Comment pourrais-je te quitter? Comment pourrais-je te quitter? Je ne conçois pas ma vie sans toi. Je ne conçois pas ma vie sans toi. Rien ne peut me garantir. Rien ne peut me garantir. La vie abondante sur cette terre. La vie abondante sur cette terre. Commence maintenant à prier. Seigneur, je ne te quitterai pas. C'est Andarabachate. Avec tes propres mots, commence à déclarer. Je ne te lâcherai pas. Tu seras toujours avec moi. Comment je peux aller loin de toi? Comment je peux aller loin de toi? Comment je peux aller loin de toi? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je pars au séjour de mort, y voilà. Je ne peux pas aller loin de toi. Même lorsque j'entre dans les ténèbres, ça devient lumière autour de toi. Parce que tu es le Dieu qui marche avec moi. Oui, comment je peux te quitter? Je ne conçois pas septembre sans toi. 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 Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Deuxième déclaration. Deuxième déclaration, je le prends dans le psaume 73, 25 à 26. Qui d'autre ai-je au ciel? Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Quelqu'un dit, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'aurai que toi. Je n'aurai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour ma famille. Pour ma famille. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour mes projets. Pour mes projets. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour mes entreprises. Pour mes entreprises. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour ma femme. Pour ma femme. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour mon mari. Pour mon mari. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour mes frères et sœurs. Pour mes frères et sœurs. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Commence à dire. Commence à prier avec tes propres mots. Le seul qui peut me garantir de la mort, le seul qui peut résoudre tous les problèmes de ma vie, le seul qui peut m'exaucer parfaitement selon sa volonté, il s'appelle Jésus. Bien aimé, sans les déclarations que tu fais, je n'ai que toi, je n'ai personne d'autre. D'ailleurs, autour de moi, il n'y a personne. Tous m'ont abandonné. Je viens proclamer, je viens déclarer que je n'ai que toi, l'appui de ma vie. Kaka, seyo Yahweh, Natali, nalikolo penase, namonite, nani ako kanina yo, Yahweh, Kaka, seyo Yahweh, Natali. Paka. Kule yulu dunia chini
Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Bien-aimé, proclame avec moi troisième déclaration. Si j'ose te quitter, si j'ose te quitter, je signe mon arrêt de mort. Je signe mon arrêt de mort. Si j'ose te quitter, si j'ose te quitter, je signe mon arrêt de mort. Je signe mon arrêt de mort. C'est pour cela. C'est pour cela. Comme le psalmiste. Comme le psalmiste. Dans le psaume 27, le verset 1. Dans le psaume 27, le verset 1. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. Auprès de toi. Auprès de toi. Et la source de la vie. Et la source de la vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. Auprès de toi. Auprès de toi. Et la source de la vie. Et la source de la vie. Le psaume 42. Le psaume 42. 42 verset 8. 42 verset 8. Je t'appelle le Dieu de ma vie. Je t'appelle le Dieu de ma vie. Le Dieu de mes enfants. Le Dieu de mes enfants. Le Dieu de ma destinée. Le Dieu de ma destinée. Le Dieu de mon parcours. Le Dieu de mon parcours. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de mes combats. Le Dieu de mes combats. Le Dieu de toutes mes délivrances. Le Dieu de mes délivrances. Le Dieu qui me donne le mois de septembre. Le Dieu qui me donne le mois de septembre. Le Dieu qui va se manifester comme Dieu. Le Dieu qui va se manifester comme Dieu. Dans toutes les circonstances, dans toutes les circonstances du mois de septembre, du mois de septembre, par sa grâce, par sa grâce, je ne le quitterai pas, je ne le quitterai pas. Commence à prier avec tes propres mots. Ravachata, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, le Dieu. Commence à citer les aspects de ta vie, le Dieu de mon projet, cite le projet, le Dieu de alliance, le Dieu de mon ministère alliance, cite même le nom de ton église pour voir pas, le Dieu de oh Ravachata, le Dieu de Philadelphie, oui le Dieu de Philadelphie, le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon mari, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon intimité, le Dieu de mon mari, le Dieu de Rabasete, le Dieu de mon avenir, le Dieu de mon Rabasete, le Dieu de ma famille, le Dieu qui me donne le mois de septembre, le Dieu de ma maman, le Dieu de mon père, Rabasete, le Dieu de mes parents, le Dieu de mon père, Olandalo, Rabasete, le Dieu de mon père, Pasteur Kenwamba, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon celui parcours, qui me délivre, les abrayés de la chasse, celui qui me délivre de la peste et de ses ravages, le Dieu qui me sécurise. Alléluia. Amen. Amen. Quatrième déclaration, bien-aimée, proclame avec moi tes paroles dures, tes paroles dures envers moi, envers moi, ta correction, ta correction. Ne m'éloignera jamais. Ne m'éloignera jamais de moi. De moi. Tu peux ne m'éloignera jamais de toi. Ne m'éloignera jamais de toi. Tu peux me corriger comme tu veux. Tu peux me corriger comme tu veux. Tu peux me frapper comme tu veux. Tu peux me frapper comme tu veux. Comme un père. Comme un père. Je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bien. Même si je ne comprends rien. Même si je ne comprends rien. Je préfère rester près de toi. Je préfère rester près de toi. Même si je pleure. Même si je pleure. Je préfère rester près de toi. Je préfère rester près de toi. Je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher. Comme David. Comme David. Comme David. Comme David. Je préfère tomber entre les mains du Seigneur. Je préfère tomber entre les mains du Seigneur. Comme cela est dit. Comme cela est dit. Dans 2 Samuel 24, le verset 14. Dans 2 Samuel 24, le verset 14. Oui, je préfère tomber entre les mains. Oui, je préfère tomber entre les mains du Seigneur. Du Seigneur. Car sa compassion est grande. Car sa compassion est grande. Mais que je ne tombe pas. Mais que je ne tombe pas. Aux mains des hommes. Aux mains des hommes. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Ta correction ne me tuera pas. Ta correction ne me tuera pas. Tes paroles dures ne me tueront pas. Tes paroles dures ne me tueront pas. Mais ton amour. Mais ton amour. Et tes compassions. Et tes compassions. Vont me garder. Vont me garder. Près de toi. Près de toi. Tu es amour. Tu es amour. Et je crois. Et je crois. Tu me supportes. Tu me supportes. Malgré mes failles. Malgré mes failles. Malgré mes faiblesses. Malgré mes faiblesses. C'est pour cela je répète comme Pierre. C'est pour cela je répète comme Pierre. À qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. De la vie éternelle. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Cinquième déclaration. Cinquième déclaration. Déclare sans toi. Sans toi. Je serai déjà mort. Je serai déjà mort. Je serai déjà mort depuis. Je serai déjà mort. Je serai déjà enterré depuis. Je serai déjà enterré depuis. Les hommes ne me connaîtraient peut-être pas. Les hommes ne me connaîtraient peut-être pas. C'est pour cela. C'est pour cela. Ce soir, ce soir, je déclare le psaume 124. Le psaume 124. 1-8. 1-8. Oui. Oui. Je le dis. Je le dis.
Cite ton nom à place d'Israël. Oui, Toti. Oui, Zoé. Répète-le encore. Oui, Joël. Oui, Zoé. Répète-le encore. Oui, Zoé. Répète ce que j'ai dit, répète-le encore. Oui, Joël. Sans le Seigneur, qui nous a défendus? Répète après moi. Sans le Seigneur. Sans le Seigneur. Qui nous a défendus? Qui nous a défendus? Nos ennemis brûlants. Nos ennemis brûlants. De colère. De colère. Nous avalaient tout vivant. Nous avalaient tout vivant. L'eau nous noyait complètement. Pour nous noyer complètement. Un torrent nous entraînait. Un torrent nous entraînait. Et l'eau bouillante. Et l'eau bouillante. Passait sur nous. Passait sur nous. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Qui ne nous a pas laissés. Qui ne nous a pas laissés. Comme une bête entre leurs dents. Comme une bête entre leurs dents. Mais comme un oiseau. Comme un oiseau, nous avons pu nous sauver. Nous avons pu nous sauver du filet des chasseurs. Du filet des chasseurs. Le filet s'est déchiré. Le filet s'est déchiré. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Notre secours. Notre secours. C'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui a fait le ciel. Qui a fait le ciel et la terre. Et la terre. C'est pour cela. C'est pour cela. Pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre. Je déclare. Je déclare que tu me protégeras encore. Que tu me protégeras encore. Que tu protégeras ma famille. Que tu protégeras ma famille. Que tu protégeras mes enfants. 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 Que tu protégeras mes amis. Que tu protégeras mes amis. Que tu protégeras mes proches. Que tu protégeras mes proches. Que tu protégeras mes frères et sœurs. Que tu protégeras mes frères et sœurs. Que tu protégeras ma maison. Que tu protégeras ma maison. Le matin. Le matin. À midi. À midi. Le soir. Le soir. La nuit. La nuit. Même quand je serai distrait. Même quand je serai distrait. Ta protection sera sur moi. Sera sur moi. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Septième déclaration. Septième déclaration. Répète après moi. Je ne compte que sur toi seul. 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 Comme dans le psaume 5, le verset 3. Comme dans le psaume 5, le verset 3. Le matin. Le matin. Je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Et chaque matin. Et chaque matin. Du mois de septembre. Du mois de septembre. Je me tournerai vers toi. Je me tournerai vers toi. Avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision. Je me tournerai vers toi. Je me tournerai vers toi. Avant de dire oui ou non. Avant de dire oui ou non. Je me tournerai vers toi. Je me tournerai vers toi. Avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit, je me tournerai vers toi. Je me tournerai vers toi. Comme le psaume 7. Comme le psaume 7. Le verset 2. Le verset 2. Seigneur. Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est en toi que je trouve un abri. C'est en toi que je trouve un abri. Et déclare encore. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, c'est en toi que je trouve un abri. C'est en toi que je trouve un abri. Comme dans le psaume 25, comme dans le psaume 25, le verset 2, le verset 2. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi. 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 Pour ma famille, pour ma famille. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Pour mes enfants, pour mes enfants. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Pour mes projets, pour mes projets. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Je déclare que pour ce mois de septembre, pour ce mois de septembre, je te ferai encore confiance. Je te ferai encore confiance. Je garderai ma foi. Je garderai ma foi. Je ne compterai que sur toi. Je ne compterai que sur toi. Je fonderai toujours ma foi en toi. Je fonderai toujours ma foi. Rien n'ébranlera ma confiance en toi. 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 Ni le matin, ni le matin, ni à midi, ni à midi, ni le soir, ni le soir, ni la nuit, ni la nuit. Je ne regarderai, je ne regarderai qu'à toi. Toi. Je le déclare tout haut. Je le déclare. Je te ferai aveuglément confiance. Je te ferai aveuglement confiance. Je te ferai aveuglément confiance. Je te ferai aveuglement confiance. Je déclare. Je déclare. Je déclare que je resterai. Que je resterai confiant. Confiant. Car tu es l'objet. Tu es l'objet de ma confiance. De ma confiance. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Tu acclames Jésus. Bien aimé, ce sont des paroles qui vont t'accompagner. Les déclarations de mois de septembre particulières. Huitième et dernière déclaration. Répète après moi. Tu es le seul digne de confiance. Tu es le seul digne de confiance. Digne de ma confiance. Digne de ma confiance. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Comme Ésaïe 26. Comme Ésaïe 26. Le verset 13. Le verset 13. Mais c'est par toi seul. Mais c'est par toi seul que nous invoquons ton nom. Que nous invoquons ton nom. Mais c'est par toi seul. Mais c'est par toi seul que nous invoquons ton nom. Que nous invoquons ton nom. Le psaume 72. Le psaume 72. Le verset 18. Le verset 18. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Dieu. Dieu.
le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, qui lui seul fait des choses étonnantes, fait des choses étonnantes, qui lui seul fait des choses étonnantes, fait des choses étonnantes. Le psaume 86, le verset 10. Car toi, tu es grand, et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Dans le psaume 136, le verset 4. Celui seul fait des choses grandes. Celui seul fait des choses grandes et étonnantes. Et sa fidélité. Et pour toujours. C'est lui seul. Fera des choses grandes et étonnantes. En ce mois de septembre. Pour ma vie. Pour mes enfants. Pour mes entreprises. Pour mes projets. C'est pour cela. Je ferai des exploits. Avec lui. Et lui. Il écrasera. Mes ennemis. Je déclare. Que je te fais confiance. Pour tous les domaines de ma vie. Avec toi, je ferai des choses étonnantes que je n'ai jamais expérimentées. Des choses agréables. Des choses qui vont fortifier ma foi. Des choses grandes. Des choses qui vont pousser les autres à suivre Christ. Car je le déclare. Je le certifie. Je le confesse. Ma confiance me payera. Ma confiance me payera. Ma confiance me payera. Je ne serai pas confus. Je ne fais pas confiance en vain. Prie avec tes propres mots. Regarde septembre, commence à prier. Tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches du mois de septembre. Voilà les 8 déclarations qui vont me suivre. Voilà les 8 déclarations qui feront le fondement de ma foi. Ma confiance va me payer. Parce que Dieu est avec moi. Il est le Dieu qui va honorer ma foi. Il est le Dieu qui va marcher avec moi. Prie. Il est celui qui marchera avec moi. Je marcherai la tête haute. Parce que je lui fais confiance. Je ne ferai pas confiance à un homme. Je ferai confiance à celui qu'on appelle Elion. Je te fais confiance. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Lobanaye, nalinga kayo Yesué. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Lobanaye, nalinga kayo Yesué. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Que mon Dieu te bénisse. Confiance de payer. Pour ce mois de septembre, ta confiance de payer. Regarde ta voisine de gauche. Gauche. Ta confiance en Dieu te payera. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Rendez-vous prochainement pour posséder, vaincre, réussir, aller de l'avant. Rendez-vous pour le mois d'octobre qui va venir. Mais déjà septembre, c'est déjà en notre position. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.